Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée au jeu des îles. Alors, c'est une série qui nous préfère depuis quelques mois, Cotnoufin Revin, les précédentes éditions des Jeux des îles de l'océan Indien. Ce soir, nos points intéressent nous principalement à Ban Jeux de 2015, à l'île de la Réunion et à Ban Performance mauricienne, bien évidemment. Donner un petit plateau de conversation avec Ban invité qui représente Fédération ou qui est présent à l'île de la Réunion en tant qu'athlète. Josian Vallet, président de la Fédération mauricienne de judo. Josian, bonsoir. Bonsoir Adi. Yona Chahir Amreka, badiste. Chahir, médaillé d'or à l'île de la Réunion. Bonsoir. Bonsoir Adi. Jean-Philippe Lagan de la Fédération mauricienne de cyclisme. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Adi. Messieurs, merci Zotfin de répondre présent à nos invitations. Déjà, nous venons d'y aller avec l'île de la Réunion. Maurice a récolté 66 médailles d'or. C'est une première lors des Jeux des îles. 49 argent, 70 en bronze, soit 185 médailles au total. Et tu finis deuxième derrière l'île de la Réunion qui ramène 209 médailles au total, dont 84 médailles d'or. Une grosse performance de nos bannes en disportif et aussi en haltérophilie. Nous tiennent Razia Nupkozola dans quelques instants en badminton. Josian, en judo, la tâche est très très compliquée à l'île de la Réunion, mais Boris fin défendu honorablement. Oui, on peut dire ça, parce que déjà, quand on n'est pas chez soi, être à la Réunion, nous connaît que quand on est arrivé à la Réunion en 2015, les conditions étaient très, très difficiles déjà. Alors, ce n'était pas le confort, hein, parti de nous le confort voulu. Des fois, on nous a dit, Maurice qui organise les Jeux d'une telle façon où l'accueil est extraordinaire, on prépare les Jeux d'une telle façon. Tout le temps, Maurice ne fait ça. Mais quand on va aux Jeux des îles dans d'autres pays, que ce soit à Madagascar ou à la Réunion, ben, les conditions, vous avez fait attention, hein, ce n'est pas trop, trop favorable. Déjà, quand on arrive à la Réunion, les conditions concernant les dirigeants, pour les athlètes, ce n'était pas trop favorable. D'ailleurs, l'endroit qu'on héberge nous, ce n'était pas excellent. Vous pensez, c'est une technique aussi, l'athlète connaît peut-être pour casse morale un peu. Hein. Mais au fur et à mesure, on nous rentre dans la compétition et nous, on est sorti avec 3 médailles en individuel et une médaille par équipe. En individuel, nous y se rappelle non. Tina Pascal Laurent en masculin, Luna Priscilla Morand et bien sûr Annabelle La Providence, médaillée d'or côté féminin. Et par équipe, c'était l'équipe féminine de judo. Nous pourrions venir avec vous, Josian Vallet. Chahir en badminton, patina photo, comment nous dire, Maurice qui t'y raflait toutes les médailles d'or. Oui, alors, comment M. Vallet fait dire quand on rentre la Réunion? Conditions pas si favorables, mais seulement nous chicot donne la tête, nous objectifs. Nous ne laissons pas rien, comme on dit, venir dans nos chemins. Donc, malgré les conditions difficiles, nous faisons ce qui est besoin. Nous entamons match par match, match par équipe, un match individuel. Et à la fin, nous oublions tout, nous avons négatif, nous réussissons cette médaille d'or. Cette médaille d'eau, l'expérience avec Ouban camarade badiste à l'île de la Réunion, nous trouvons l'ambiance qui est déjà formidable dans le camp mauricien et vive ces jeux, garde morale bien haute. Comment ça finit de passer, vous êtes? Oui, bien sûr, morale type bien haute. Et d'ailleurs, nous vous remercions, nous, Ouban, supporter qui nous fait déplacement. L'ambiance type bien électrique. Et ça, il aide nous. Pendant un match difficile. Et comment je peux dire, ça, l'équipe 2015, là, c'est une équipe homogène, qui est camarade. Donc, pas trop difficile pour mettre n'importe qui pour jouer. Donc, entraîner, nous rendons une tâche l'entraîner là plus facile. On est dans un bon amalgame de jeunes et de managers d'expérience aussi. On vient avec Jean-Philippe Lagan. Jean-Philippe, c'est une première pour le cyclisme mauricien, c'est-à-dire ramène médaille d'eau dans la course en ligne. C'était peut-être la performance la moins attendue,
je vais atteindre ben, le cyclisme mauricien avant, notamment dans mon épreuve de contre-la-montre. Alors d'abord, nous allons dire, que l'histoire des Jeux ben, rayonnait toujours une gagne ton lors ben, mauricien en cycliste. Et y a, on a, le mauricien a toujours un complexe quand il vient à fond de ben, rayonner en cycliste. Il dit comme ça depuis moi-même cycliste dans les années 85-90, quand j'ai la Réunion du super. Mais il y a eu un changement qui s'est opéré, heureusement. Par exemple, cette année, Jim Bocard, il qui va le rayonner pour bien payer quand je vous viens de nous. Donc, c'est tant mieux. Mais en 2015, un DTN arrivé 4 mois avant les Jeux, fait une préparation assidue avec une équipe mitigée de jeunes et d'anciens, parce qu'il patine en soi, si bien fait vite. Et Maurice, il toujours domine plus ou moins les contre-la-montre, que ce soit par équipe ou individuel. Et là, malheureusement, en 2015, nous restons la fin. Bon, il faut dire que, dans une condition pas si facile, il faut dire que le parcours, nous, vraiment comme ça à la dernière minute, et ça, c'est un gros avantage quand nous avons le parcours. Mais nous ne pouvons pas faire ça. Hein. Nous devons rassurer les spectateurs, ben rayonner, in vin Maurice, nous montrer notre parcours bien en avance. On n'a rien à cacher, c'est du sport, que le meilleur gagne. Et finalement, nous tirons nous l'épingle du jeu dans la course en ligne avec un doublé historique. Pourquoi première fois, Maurice gagne médaille d'or, médaille d'argent dans la course en ligne. On a toujours été dominé par Ban Rayonné. Et c'est vrai que, bon, à partir de là, un sentiment de grande fierté, un sentiment d'avoir vraiment montré qu'il nous tient plus fort qu'ils autres à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on était contents, mais aussi on avait des regrets. On se pose toujours des questions chez ces deux contre-la-montre, comment on nous battait. Mais les faits sont là. Donc, nous motiver pour cette année, pas faire la même erreur. De vous référer un tour de table, Morévin avec Josian, nous fait une cause judo, nous fait une cause les médailles d'or ramenées par l'équipe mauricienne, les représentants mauriciens. Et la Réunion tient un peu haine. Tout ce qui est là-bas, c'est qu'il finit suivre une compétition judo, finit trouve-li. Mais performance, comme on finit à dire en début d'émission, dans bonne condition de Maurice, il est quand même honorable. Les temps nous trouvent, le bon judoka monte le tatami là-bas. Déjà, tient de la voix côté mauricien aussi. Et ça va nous garder son like, ça va nous suffire là, je finis des fans autres plus qu'honorablement, je veux dire. Oui, il faut dire que le judo mauricien a un niveau. Hein, on a pas mal, on a beaucoup de champions d'Afrique parmi les athlètes mauriciens depuis le temps. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est que beaucoup de ces, de ces champions et dans l'équipe nationale, ils ont entraîné. C'est-à-dire que je n'ai pas l'expérience là et nous finissons comme encadreur dans l'équipe nationale. Ça, je pense que ça va être très, très important. Qu'ils nous reconnaissent, nous, les athlètes qui finissent faire bonne performance et nous comme encadreur dans l'équipe nationale. D'ailleurs, avec le DTN et l'assistant DTN, nous avons deux Mauriciens, deux entraîneurs, je vous dis, qui peuvent encadrer ces jeunes là. Parce qu'ils viennent vivre ce moment, une grande expérience d'être champion. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour moi, qui est également important quand on prépare les athlètes, c'est le niveau. Des fois, nous avons tendance à nous concentrer sur un athlète. Et des fois, quand l'athlète est blessé, il y a un problème, là, nous trouvons une situation très, très compliquée. La politique de développement du sport dans le judo aujourd'hui, c'est de faire une groupe montée. Là, tu augmentes même le niveau, la formation. Et nous pouvons mettre le paquet sur les jeunes. Vous allez voir que dans la sélection de 14 athlètes, 14 judokas qui sont sélectionnés, parmi les 14, nous avons une panoplie de jeunes pour le 2019. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, certainement, on a tiré des leçons par rapport à 2015, par rapport aux jeux qui nous font faire dans le passé. Quand nous faisons une stratégie concentrée sur un athlète ou deux, nous avons dit, par exemple, la grande question qui m'est posée, combien de médailles? Ben, combien de médailles? Certainement, on va faire plus que 2015. C'est ça l'objectif. Pas moins que ça. Si nous gagnons 3 en 2015, 4 par exemple, 3 individuels, N par équipe, l'objectif fixé, c'est bien faire bien plus que ça parce qu'il nous coûte nous. Et il y a une cause qui nous cause home et oui. Là, nous faisons home là. Quand nous faisons home, tout sans est. Alors, je dis,
nous l'avantage, c'est nous l'organisation, nous avons trouvé une belle organisation. Et nous pensons un athlète aussi motivé avec l'organisation qui est là. Ce sera la grande fête qui pourrait être chez nous. Vous pensez que la chance est de notre côté pour faire un meilleur résultat possible. Alors, Zodi, ce qui nous peut dire, nous mettre toute négativité de côté, nous pensons positif et aller à faire mieux. Donc, on parle de dire que 2015, servi nous un peu de répit en ce qu'il s'agit de judo, surtout Josian, de tremplin pour Abod, inévitablement, quand nous avons cause 2015 ce soir, ne pas avoir par cause 2019, pour Abod cette édition de 2019. Oui, certainement, parce que dire ou bien qu'il y a un énorme athlète qui est médaillé d'or en 2015, qui dans la sélection encore. C'est un athlète qui, là, je ne fais pas un parcours, de 2015 à 2019, de petit médaillé d'or, Priscilla Morand, petit médaillé d'or en moins 48 kilos, Pascal Laurent également, petit médaillé d'or. Alors, déjà, nous avons deux médaillés d'or qui, dans la sélection, nous avons acquis pas mal d'expérience. Là, je ne fais que faire les championnats d'Afrique de judo, encore l'expérience. Là, pour une sortie, probablement, qui peut faire au Maroc. Encore l'expérience. Moi, je pensais que le frottement dans la compétition, que ce soit pas juste pour le judo, mais pour les autres athlètes aussi, une sortie, frottement, aller ailleurs, la formation, pour moi, c'est toujours en activité. Alors, pour moi, ce qui est également important, quand nous cause 2015 et nous cause aujourd'hui 2019, c'est la préparation. Nous avons une préparation qui nous fait sur le court terme, nous avons une préparation sur le moyen terme et une préparation sur le long terme. Je désile, je vous dis, quand nous coachons des îles, c'est la Coupe du Monde de la région. Vous choquez moi-même comme tout le monde du monde de Nigeria et des pays d'Afrique qui causent jeux des îles. Je suis choqué, vous dire, ah bon, c'est le jeu des îles, ça. C'est répandu partout. Le président Habib Sissoko, président de l'Union africaine de judo, il est intéressé pour venir dans le jeu des îles. Il vient. Il invite l'île, il vient dans le jeu des îles. Pour dire que la compétition, il prend une ampleur dans la région, une hausse de niveau, et nous sommes capables d'être à la hauteur, toutes disciplines confondues, pour faire de ces jeux un magnifique jeu. Comment faire un magnifique jeu en plus à Gaëli? Josian et Rodrigue restent un tremplin important pour le judo. D'ailleurs, il y en a pas mal de bonnes camarades qui sont originaires de Rodrigue qui retrouvent eux dans sélection pour les Jeux des Îles de 2019. Quelques mots aussi pour nos bons camarades qui peuvent être nous du côté de Rodrigue. Alors, j'étais à Rodrigue il y a à peu près 2 semaines. Nous allons visiter un peu les lieux pour mettre l'organisation en place parce que vous savez bien que pour 2019, comme c'était le cas pour la dernière fois qu'il tient Jeux des Îles dans Maurice, la compétition par équipe peut faire à Rodrigue. Donc, il y a une grosse organisation là-bas. Les Rodriguez également puis attendent les Jeux avec impatience parce qu'ils réferment l'infrastructure pour accueillir le judo sur place. Je peux vous dire que l'engouement est là, à Rodrigue aussi. Parce que dans Rodrigue, ce qui est intéressant, c'est chaque coin de ses mains qui vous rentrez, tout le monde dit « nous a fait judo ». Nous a fait judo. Alors, quand il dit « nous a fait judo », il dit qu'il comprend judo. C'est une population à Rodrigue qui comprend le judo, qui connaît le judo, parce que tout du moins, ils pratiquent le judo. Alors, ça, c'est une affaire qui est très, très importante. C'est-à-dire que la culture du judo est répandue à Rodrigue. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, maintenant, quand on cause de la compétition. Rodrigue, il y a un réservoir. Vous êtes d'accord qu'il y en a 6 judokas dans une sélection qui est originaire de Rodrigue. 6 judokas, il ne fait que voyager en nous pour le championnat d'Afrique. C'est-à-dire, quand nous avons la 14, mais dans sa 14, il y en a 6 originaires de Rodrigue. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y en a autant de judokas de Rodrigue dans une sélection. Ça peut faire parce qu'il nous peut reconnaître bonne compétence. Okay? Il n'y a pas de Mauricien, il n'y a pas de Rodrigue, il y a une seule sélection. Et dans sa sélection, il y en a une meilleure judoka. Quand nous pensons, quand nous faisons une sélection, par exemple, dans la catégorie moins 81 kg et catégorie moins 70 kg, que nous avons ici qui nous bouffait, nous faisons un test match à 2-3 reprises, nous mettons tout le monde d'accord. Alors, quand on sélectionne la table, qu'il soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau des coachs, tout le monde d'accord. OK, c'est la meilleure sélection qui nous a gagné, pas de discussion, pas aucune opposition. Alors, ce qui nous fait cette année, nous faisons 4 test matchs pour 2 catégories pour que tout le monde d'accord. Bon, nous faisons cause Rodrigue. Moi, je dis ça, c'est extraordinaire.
Là, nous avons un rehearsal qui nous peut aller probablement jusqu'à la semaine prochaine, nous peut aller à Rodrigue, pour compléter tout ce qui est organisation. Parce que je connais qu'il y a une technicité dans le judo concernant IT, tout à fait roule avec un key system. Alors, nous permet de ça en place. D'ailleurs, quand nous finissons la compétition à Maurice, nous pouvons faire le déplacement à Rodrigue. Et moi, je pense que la fête va s'étendre jusqu'à, également jusqu'à Rodrigue. Chahi, côté badminton, étant jeté allé en 2015, c'est être un athlète allé je tout avec un objectif, c'est ramener médaille d'eau. Franchement, je suis attendu, je ramène tout une médaille d'eau en 2015. Donc, quand préparation a commencé, l'objectif de la fédération, l'objectif de l'entraîneur et l'objectif banjeur, c'est pareil. Ramène tous les 7 médailles d'eau. Donc, tu as une pression, mais nous tu connais dans l'équipe là, tu as une qualité qui est capable de faire cet exploit-là. Parce qu'on nous rappelle 2003-2011, nous n'avons pas réussi. Donc, tu as une pression supplémentaire pour capable d'achever ce que nous avons goals qui nous set. Mais heureusement, avec une bonne préparation, nous réussissons à aller. Avec. Il n'est pas aussi compliqué que ça, mais nous nous mettons sérieux. Et résultat là, une parade. Quelques noms de bonnes camarades qui sont là-bas, à l'île de la Réunion, dans la sélection nous sommes Sayedou, qui est 5 fois champion de Maurice. Et pareillement, nous sommes Chama Boubacar, côté de fille, donc bonne jeune d'expérience. Et bonne jeune qui peut monter, nous sommes Atish Louba, Julien Paul. Côté de Finch, on a Kate Foukyun, Aurélie Allette, qui peut prouver au niveau national et international. Et ça, comme tu disais, elle est là, ça mélange d'expérience avec jeunes là. Ça de nous un plus pour nous avoir au bout de nos objectifs. Pour être un bon badiste ou fin médaillé, qui vient à la base, parce que comme toute discipline, tu commences jeune. Oui, nous, peu dans l'âge pour commencer, n'importe quel âge capable de commencer. Mais bien sûr, l'important c'est la discipline et automatiquement, pendant un sacrifice qui peut venir, pour bien qu'on choisisse, nous emploi du temps, il ne faut pas perdre le temps. Entraîner. Madame Maurice, nous connaissons tous bien, balance l'étude et le sport. Et grand merci au ministère qui peut permettre aux jeunes de trouver sa balance là. Et mot positif qui, cette année là aussi, nous pourrons réussir à faire pareil comme je fais en 2015. Ouais, et en plus, il y a un peu comme en football, nous cause Manchester United, Liverpool très souvent. À Maurice, qui fait, parce que quand on a un titre, on a une pression supplémentaire. Oui. Et de l'autre côté, on ramène tout bonne médaille, c'est-à-dire pour faire mieux, ramène encore une fois tout bonne médaille. Oui, bien sûr. Pression là, plus élevée encore, parce qu'il nous faisait match sa performance 2015 là. Mais encore une fois, nous avons un joueur qui est capable de faire cet exploit là. Ce qui est dit, Chahir Ramreka. Jean-Philippe, et moi, je suis plutôt attaché avec judo et le cyclisme, quoique je finis à l'occasion, je suis aussi un bon camarade en badminton. Cyclisme, moi, au fin d'Ali, côte Maurice, c'est plus attendu, c'était le bon contre la montre. Mais les choses ne finissent pas tournent, à la faveur des Mauriciens. Vine dans la course en ligne, c'est là-bas, d'ailleurs, bonne image. Paul d'elle-même, beaucoup d'émotions dans le camp mauricien. Ah ben oui, hein, parce que c'est vrai que d'abord les coureurs, mais moi je suis ça de près parce qu'il me tient là mon fils aîné, Grégory, qui est en sélection. Et c'était une goût amère, hein, parce qu'ils étaient pensés capables de gagner au niveau du contre-la-montre. Et ils tiennent à cœur vraiment de sauver la mise. Donc, pourquoi je me vraiment comme une équipe qui arrive avec l'envie de gagner, qui a envie de vraiment revanchard, vous voyez. Donc, ça, l'attitude-là, ça
pensez que le coach sud-africain fait un gros travail au niveau psychologique, un athlète, pendant sa désour après contre la montre. Et Zotine Vini, Zotine vraiment un ton au-dessus des rayonnés. Parce que, par exemple, Yannick Lincoln qui gagnait, il attaquait depuis le débat, il allait depuis le commencement et il gagnait ça la force pour tenir jusqu'à dans la finale. Et finalement, il est rejoint par un deuxième Mauricien qui arrive à sa hauteur, qui fait Gérald Rabaï. Alors, et puis, une discussion, qui nous fait nous sprinter. Fils, j'ai dit à Yannick, comment vous pouvez sprinter, toi? Comme si c'est... Et nous pouvons jouer la médaille d'or. Et Fid, qui a ses premiers jeux, dit à Yannick, non, on ne va pas vous sprinter contre. Vous méritez sa médaille d'or. Là. Et la médaille est au bout, c'est des moments extrêmes hein, qui me pensaient, jamais je ne vais pas oublier, c'est sûr. On peut en jouer une anecdote avant de continuer, Jean-Philippe. Nous, un journaliste qui tient le couvert, et nous tu peux attendre, pareil. Comment fédération et médaille dans un exercice de contre la montre. Les temps ne pas trouve médaille d'eau tombée, nous posons une question. Est-ce que nous laisse le soin à un camarade réunionnais à couvrir le cyclisme ou bien nous aller nous aussi sur la course en ligne. Finalement, Robert Deschambault qui nous salue et qui était là-bas, m'a dit non, donne-moi une caméra, mon préfère, parce que c'est une course. Tout reste possible, mais on préfère aller à suivre le cycliste pour guetter ce que ça donnait. Même si c'est une médaille d'argent, même si c'est une médaille de bronze, ça reste une médaille. Mais mon père ne pas au fin être autant surpris que moi pour Bonner trouve Maurice en une position de force pour gagner une médaille d'or. Oui, moi personnellement, je ne peux pas t'y croire. Hein, je pensais que nous meilleurs sens c'était derrière nous et c'était nous rentrer à la maison bredouille. Hein. Et mon premier surpris est bien sûr l'homme le plus heureux en apprenant cet exploit parce qu'ils franchement ils ont été héroïques ça jour là et bon penser à partir de là il y a eu un certain déclic même si Andrew Smith a regagné son pays maintenant il y a eu le temps de Michel Thèse qui est arrivé après et bon penser mon athlète il prend confiance il me dit ben nous capables de battre Yonet. Et à partir de là, dans ces 2016, 2017, 2018, enfin j'ai surtout 2017, ce travail de fourmi que Michel Thèse fait, nous sommes beaucoup jeunes qui ont beaucoup progressé. D'ailleurs, sélection pas si facile pour le faire, jusqu'à la dernière minute, encore on peut couper transé, qui nous mettez. Donc c'est bien, c'est quand même pépinière, on a une jeune pépinière. Ensuite, il y a eu la double victoire sur le Tour de la Réunion, quand on a battu la Réunion, quand Zot, et là aussi, nous encore prend plus confiance en Zot, man jeune. Et Zot, il a tôt la France, il a préparé sa échéance là. Mon seul crainte, moi, c'est la cohésion. Quand la Réunion est bien fort, souvent nous battons Zot dans contre la montre, par équipe, parce que Maurice, il met beaucoup l'accent sur la cohésion. Et au compte de la route par équipe, c'est la cohésion qui donne finalement le résultat. En tout cas, il y a une courée bien fort, mais ce n'est pas 40 ans de zot. Elle met son camarade dans rouge et finalement, on parle au plus vite. Tandis que Maurice, il travaille sa cohésion, il y a une certaine rigueur, constance dans le parcours, dans la vitesse qui te fait qu'il réussit pas de rayonner. Oh là, nous avons une courée qui est bien fort, mais en France, nous pas trop zoen. Donc, il y a un peu ce point d'interrogation en ce qui me concerne. Le coach, lui, il est bien confiant. J'espère qu'il y en a raison. Moi, c'est mon seul point d'interrogation personnel. Comme je disais, tu es là, Zodi, quand on a la réunion, Man Mauricien fait peur. Il n'est pas arrivé à mon époque, et il n'y a pas longtemps encore, quand tu as la réunion, je dis, difficile de battre Man Réunion que Zot. Donc, on a à ce point-là, effectivement, on passe un palier. Et. Vous pensez que les feux sont au vert, comme nous dire, mais il faut respecter l'adversaire et surtout, il faut rester concentré jusqu'au bout, comme nous dire, pour qu'il ait une bonne carte à jouer côté cyclisme. Vous pensez que les trois médailles d'or sont dans le domaine du possible, mais il faut respecter l'adversaire. Pourquoi je prends un peu de recette parce qu'il m'a trouvé un courrier rayonné, se perd la France à cette terre. Alors que les fois d'avant, c'est pas si trop bousé. Donc, c'est pourquoi je ne comprends que si tu restes à Réunion, ben, comme disait Josian, hein, ou pas gagner cet affrontement-là, ou stagner. Donc, il y aura un beau match. C'est clair que pour un beau match dans le cyclisme.
mais je reste confiant. Je vais faire, avant de terminer, un tour de table pour rester l'édition 2015. Nous faisons une cause aussi sur 2019. Simon Demanou, Josian Vallée et Oumeyé à souvenir, temps faux pour de cette édition de 2015, qui vous dit avant ? L'édition 2015, certainement, quand on y perd le premier d'Aïdo. Il n'y a pas un meilleur moment. Mais aussi, c'est cette compétition par équipe. Quand on trouve un athlète en jeu, un judoka en jeu, qui arrivait, comment dire, surmonte une situation difficile pour apporter une compétition par équipe, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Que tout le monde bien travaille ensemble, il y a une stratégie de groupe qui met en place pour remporter la compétition par équipe. Ben, on a remporté par équipe en 2015. Quand nous pécose 2015, c'est toujours la transition pour 2019. Mais si nous remportons chez les filles en 2015, pourquoi pas filles et garçons en 2019 hein, c'est un souhait qui est capable, peut-être, pour un meilleur moment que moi, l'inité en 2015. Chahi, et de l'autre côté, l'ambiance et la célébration après chaque victoire, c'était vraiment à fond, mais où au moment personnel, au moment fort des Jeux de 2015? Alors, pour moi, c'est petit tournoi par équipe, que des garçons, que je vais mettre winning point pour donner Maurice sa médaille de par équipe là. Je suis aux côtés de Christopher Paul. Et quand je mets ce point là, tu prends 2-3 secondes comment dire, pour réaliser qu'il nous fait qu'achieve, même pour mon partenaire. Mais après, quand nous laisse ça 5, il nous réalise que nous faisons une grande affaire là, parce que les premières médailles d'eau nous finissent assurées. Et ça, il prend une boost pour tout l'individuel. Et effectivement, nous entamons un match par match, tout l'individuel. Et à la fin, nous réussissons à tirer 7. Question un peu plus difficile, je pensais, pour Jean-Philippe, quand je suis venu de loin, mais qui est vraiment intéressé pour connaître qui peut arriver pratiquement live là-bas en cyclisme. Le stress est beaucoup plus présent et on regarde à chaque fois un update. Alors, ouais, nous avons une formule par Facebook, nous avons une information. Quand nous avons dit que nous avons dit que nous n'était pas possible, nous avons rêvé comme je me dis à un moment-là, mais passe-moi un coup là. Non, c'est vraiment beaucoup de monde de fierté. Et comme quoi, avec le travail, avec la persévérance, avec l'envie, nous sommes capables de soulever une montagne. Moi-même, en tant qu'athlète, je pensais ne pas atteindre ce moment-là. Déjà porter le maillot de la sélection nationale, c'est une grande fierté. Et je pensais que nous, avec ce public, nous pouvons vivre un grand moment. Et c'est pourquoi ce public-là, ce 11e homme-là, bizarre à nous, parce que ça fait énormément de différence. Et je suis que nous pouvons vivre encore de très bons moments. Je me vivais un peu différemment en 2015, effectivement, parce que je suis loin de l'action et c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est des moments d'extase, de grande joie, c'est sûr. Josian Vallée et Chahir Amreka et Jean-Philippe Lagan, je remercie les autres, Lossa Neutla, pour votre présence sur ce plateau. Et bon vent pour l'édition de 2019. Nous pouvons saluer également toute bonne performance de tout bon athlète dans l'édition 2015 des Jeux des îles de l'océan Indien. Nous finissons d'aller en début d'émission. En dispo, qui t'y ramène beaucoup de titres, 14, haltérophilie, 21 titres. Badminton, nous finissons à l'occasion, Cosly, avec 7 médailles d'eau. La natation, au total, c'était une bonne trentaine de médailles. En tennis de table aussi, Tiena ban titre. En boxe, bref, tout ban discipline qui fait honneur, comme en bisin, à la sélection mauricienne. Nous proposons, pour la termine, l'émission-là, bon moment des Jeux des îles de l'océan Indien de 2015 à travers ban temps faux. Nous remercions l'équipe de la réalisation, l'équipe technique. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous et vivez les temps forts de 2015 dans quelques instants, sans pour autant manquer l'édition 2019 chez nous. Aline Maurice, bonne soirée. La dernière finale de la soirée, plus 78 kilos avec Annabelle La Providence, la Mauricienne ici. Annabelle La Providence.
Alors, dans le combat de ces deux lourdes, il y a deux choses. Il y a Annabelle La Providence qui veut, j'ai envie de dire, sauver l'honneur aujourd'hui, qui aimerait être la première médaille d'or du judo mauricien. Marine Cernantes qui, elle, ne souhaite pas repartir avec la seule médaille d'argent de la délégation de La Réunion. Donc ça va être un combat déjà déterminant pour la suite et puis surtout hyper intéressant à suivre. Oui, concentration des deux côtés. Marine Cervantes de l'île de La Réunion, Annabelle La Providence, la mauricienne, kimono blanc. Allez, c'est parti maintenant pour ce duel. Annabelle La Providence qui attaque d'entrée. Ouais, elle est sur l'offensive. Oula, physiquement, la première séquence, la mauricienne est au-dessus. Et la réunionnaise s'est fait surprendre, mais elle a l'air de reprendre un petit peu. Oh, attention à ça. Une différence de poids dans cette catégorie entre les deux combattantes où on sent que la mauricienne est physiquement au-dessus. Exactement, maintenant, et c'est là qu'Annabelle La Providence va essayer de faire la différence. C'est son atout. Bon, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle sait aussi bien faire du judo. Et donc la réunionnaise va devoir être à son meilleur niveau sur cette finale pour pouvoir espérer l'emporter. Elle reprend le dessus. La réunionnaise. Et là, c'est une action qui aurait pu marquer. Alors sur ce coup-là, je peux vous dire que les Mauriciens donnent de la voix également pour encourager Annabelle La Providence. Le combat qui s'est équilibré maintenant. Vous voyez, ça marque pour la Réunionnaise sur l'action qui n'avait pas été annoncée. Donc du coup, la Réunionnaise prend le combat en main. Et Annabelle aura à travailler pour revenir et faire pourquoi pas d'un seul coup la différence. Oui, là elle est au-dessus au Kumikata, elle est au-dessus sur la garde et un petit peu plus sur l'offensive. On la sent un petit peu agacée. La Réunionnaise garde son avantage. Mais ça va être disputé. Voilà, la Réunionnaise qui est pénalisée pour une sortie de tapis. C'est ce qui a agacé Annabelle d'ailleurs. Et ça l'a empêché de préparer ses attaques, mais c'est le jeu. Une pénalité gratuite. Environ 2 minutes 25. Pour faire la différence d'un côté comme de l'autre. Très disputé. Action pour la mauricienne qui. Annabelle La Providence ici qui va essayer donc de forcer la décision. Donc pour l'instant les. Il m'a semblé que l'arbitre annonçait Yuko, mais peut-être que ce. Je vois Wazari. Non, c'est Wazari. L'action est revue à la hausse. Donc c'est Annabelle La Providence qui passe devant. Annabelle La Providence qui a l'avantage donc ici dans cette finale de les plus 78 kilos. Un bon coup à jouer ici pour l'île Maurice. Les combats qui ont été très bien arbitrés tout au long de la journée, on peut le signaler. On félicite, on remercie les arbitres qui font un métier difficile sur ces compétitions relevées. On est dans l'observation, alors qu'il n'y a plus à s'observer. Là, il y en a une qui gagne, une qui perd, il faut y aller. Il faut s'engager, il faut essayer de faire tomber. Vous voyez Annabelle La Providence qui est un petit peu sur le blocage et sur la défensive, ce qui risque à lui valoir une pénalité. Et la Réunionnaise qui a du mal à trouver une solution par rapport au gabarit et à la force de la mauricienne. Il faut dire qu'elle est imposante, Annabelle La Providence. Et elle a de l'expérience, donc elle sait gérer ce genre de match. Elle prend deux pénalités, attention, il ne faut pas qu'elle se relâche. La Réunionnaise en prend une aussi.
La Réunionnaise doit absolument refaire, revenir sur l'offensive pour pouvoir espérer gagner. Bon, là, ça s'engage. Alors que là, elles sont déterminées à vraiment se donner à fond. Il nous reste encore une minute à peu près. Là, il faut que le match emballe. La Réunionnaise n'a pas d'autre choix que d'aller la chercher et de préparer ses attaques, parce que pour passer devant Ouazari, il faut Hippon, ou alors mettre un autre Ouazari. Mais qu'est-ce que c'est dur! Ah, super combat ici entre la Mauricienne Annabelle La Providence, kimono blanc, et Marine Cervantes de l'île de La Réunion. Dernière finale de la soirée. Annabelle La Providence qui a l'avantage pour l'instant. Attention à ne pas se relâcher. Hein. La seule chose, c'est de ne pas se relâcher et toujours être sur l'offensive. C'est en cas de match-up. On sent toute la tension, toute la pression. Et les deux judokas au travail. On sent que les deux sont, sont fatigués quand même. Hein. Ouais. Il nous reste 10 secondes, 11 secondes à peu près. Tout est possible, je rappelle, tout est possible. Surtout que là, on voit la Réunionnaise aller chercher sans arrêt son adversaire. Donc encore quelques secondes à tenir pour Annabelle La Providence. Voilà, pour récupérer la première d'or mauricienne en judo. Quelques secondes encore donc dans ce combat où Annabelle La Providence va essayer de faire la différence. Un combat donc victoire de la Mauricienne Annabelle La Providence sur un super match. D'or. Première médaille d'or mauricienne en judo lors de cette première journée, signée Annabelle La Providence. Les Mauriciens qui avaient placé beaucoup d'espoir sur elle cet après-midi pour aller chercher cette médaille d'or. Et ça y est, c'est fait, un combat difficile. Un duel fort intéressant. Très belle finale de la part de ces deux jeunes filles. Pour terminer la soirée. Merci pour le spectacle. Annabelle La Providence et les Mauriciens qui vont fêter cette médaille d'or. Bravo donc à Annabelle La Providence qui inscrit son nom et qui a bien défendu son titre. Annabelle La Providence donc, une première journée de judo et dernier combat de la soirée. Maurice ramène une médaille d'eau, pas si un combat facile. Oui, pas si facile, mais c'est moi dans mon esprit qui fait moi pour terminer l'île nationale, parce que ma maison pour me mener en vue pour moi. Mais ça me fait vraiment très, très content, très plaisir aussi. Et raconte tout le combat là, comment il s'est déroulé? Au commencement, il s'est passé, après moi, tout mon ami me fait, moi pas capable, pour l'encouragement, même public, même camarade, entraîneur, de tout qu'il a, même supporter, mais rien de moins grand courage. Annabelle, ou défend le titre avec brio, ou petit médaillé d'eau aux Seychelles également en 2011, donc des médailles d'eau dans sa deux Jeux des îles là. Et raconte-nous ça l'émotion là, qui ça fait où hein? En fait, pas qu'à expliquer, inexplicable, mais je suis bien content que je me suis régalé mon médaille d'eau parce que je me suis entraîné pour ça, je me suis sacrifié pour ça, mais je suis bien content. 12-11. Les rencontres Maurice Réunion dans ces Jeux des îles de l'Océan Indien 2015. D'une grande intensité, comme c'était le cas également en tennis de table. Alors l'échange qui sera conclu par Christophe Paul. 13-12, 13-11, pardon. Allez,
toujours les Mauriciens en position de force. Le dé. Et encore une fois, ça ne passe pas le filet. 14-11 pour Maurice. Il y a 3 points d'écart. Cette fois, la frappe de Xavier n'a pas pu être contrée convenablement. Voilà. Point pour Maurice. 15-12. Il garde cette marge de 3 points de différence. On a compris l'intention de Ramraka. Mais dommage pour lui. Ça fait 13-15 dans ce troisième set. Pour ce match du double. Voilà, ça glisse, on fait ce qu'il faut pour ne pas gêner les joueurs. 16-13 pour Maurice. Pas loin de conclure, pas loin de sa médaille d'or, tant convoitée. Décidément, des problèmes d'ajustement pour Xavier Chanfengting. Et le score passe de 17-14 pour Maurice. Deux points de différence maintenant. Le score est de 15-17. Voilà, ça monte en intensité. Dans le gymnase Michel Debray Saint-André, on entend justement les supporters des deux camps. Sébastien Ledé s'en veut. 18e point pour Maurice. 18-15. Ils sont vraiment tout prêts de décrocher la médaille d'or. Christophe Paul, Chahir Ramraka. Et c'est repris, Xavier Chanfengting, pour donner un point supplémentaire à la Réunion. Xavier Chanfengting qui a eu quelques mots avec l'arbitre de chaise. Un mauvais service, 19-16. Les Mauriciens à 2 points d'une médaille d'or. Chahir Ramraka au service. Il s'est littéralement jeté Xavier. Mais malheureusement, là, les choses se gâtent pour la Réunion. 20-16, balle de 7. Point important dans cette finale, Maurice Réunion. Les Bleus qui font de la résistance. 17-20. Les Réunionnais veulent encore y croire. Il y a un point. Xavier. Bien joué, Ramraka. Voilà. Les Réunionnais font mieux que résister. Vont-ils faire douter les Mauriciens? 18-20.
On agite les quadricolores déjà en pensant que cette fois ce sera la bonne. Voilà, c'est fait. Médaille d'or pour Maurice dans le tournoi par équipe. On vous laisse avec ces images de Liesse. Et tout ça donc au gymnase Michel Debré à Saint-André. Coup double pour les Mauriciens en filles comme chez les messieurs. Voilà donc la joie dans le camp mauricien avec cette très belle victoire avec, signée Christophe Paul et Shahir Amraka. Kilos pour prendre la tête du concours. Et si la réunionnaise dans la foulée échoue à 101 kilos, eh bien ce premier essai lui vaudra l'or à la mauricienne Emmanuela Labonne. On est à l'épaule jetée. Encore un effort. Et c'est fait. La tête du concours est peut-être l'or pour Emmanuela Labonne lors de son premier essai en attendant le dernier de Larissa Saint-Jacques de La Réunion. Un dernier essai pour maintenir le suspense. Elle a réussi 92 lors de son premier essai. Elle avait échoué à 97. Elle tente 100. Dommage. À l'image, Emmanuela Labonne, deuxième essai. La barre est chargée à 105 kilos. À l'épaule jetée. Elle devrait donc réaliser la bonne affaire, Emmanuela, puisque avec une médaille à l'arraché, c'est aussi une médaille à l'épaule jetée et le total olympique, le triplé du jour pour Emmanuela Labonne. Emmanuela, tu as un premier mot après qu'il te réalise sa bonne performance là aujourd'hui. Je remercie sa bonté là. Tu as quand même crié, il est là pour moi. Et en 2011, j'ai raté mon médaille d'or pour aller à l'école. Et moi, cette fille-là, j'ai fait la même performance puisqu'il est battu pour aller à l'école. Et cette année, mon mari travaille pour ça. Ça peut être aussi le cas chez les messieurs. C'est terminé. Maurice l'emporte 11-8. Et du coup, décroche l'or dans cette compétition par équipe. Malgré la superbe résistance des Réunionnais, c'est Maurice qui l'emporte. 3-1. Exploit du jeune mauricien Akilen Yogaraja. Les Mauriciens qui savourent cette victoire. Doublé Mauricien cet après-midi au gymnase des deux canons, chez les filles comme chez les messieurs. Mesdames et messieurs, ville de Mauriciens.
La bande à Lindsey Wilson se devait de montrer un tout autre visage dans ce match retour du groupe B face à la Réunion. Après avoir perdu la première confrontation lundi soir en 3-7 sec, les Mauriciennes laissent la première manche à leurs adversaires 13-25. Mais elles se ressaisissent de manière inattendue dans le deuxième set, grâce surtout à la forme resplendissante de Johanita Latour, dont les montées au filet deviennent de plus en plus cliniques au fil des échanges. Les Réunionnaises, bousculées par cette nouvelle configuration mauricienne, ne peuvent contrer les multiples velléités des Nathalie Le Tendry, Lisa Bonne, Vanessa Chelumben et consorts. Un deuxième set des plus encourageants pour nos représentantes qui s'impose 26 à 24. Une jouée après ce que j'ai égal avec la Réunion. Et le seul problème, c'était en récep. Et vous pensez, nous faisons un travail pour la demi-finale. La Réunion ne se laisse nullement intimider par le rehaussement du niveau de jeu de Maurice et aborde les deux manches suivantes avec beaucoup de maîtrise et d'autorité sous l'impulsion de son fer de lance Myriam Kluster. On sait très bien que les Réunions Maurice, ce n'est pas du pipeau, les deux équipes jouent complètement. Maintenant, si on a bien rodé, on sait, on connaît nos lacunes, on pourra corriger, travailler tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on voulait éviter ces échelles de l'autre côté. Les Réunionnaises évitent ainsi de se retrouver face aux grands favoris que sont les Seychelles en demi-finale. La petite danse de la team 9-7-4 pour fêter cette deuxième victoire. Mission accomplie dans cette phase de poule. Mission accomplie ne veut pas dire c'est terminé. Maintenant, il faut aller battre Madagascar pour arriver en finale. Pour Maurice, rien n'est encore perdu. Il s'agira de tout donner à sa prochaine sortie. Vous pensez que l'équipe vous fait un prêt ? Je vais contre Seychelles. Seychelles, c'est pour nous, pour moi, surtout, c'est une revanche de 2007. En demi-finale, nous sommes perdus contre Seychelles. Donc, rendez-vous une redonnée pour contre Seychelles. Bon, on va CSI, nous sommes CSI. Le podium est 100% mauricien du côté de l'équipe féminine du javelot. Elle n'a laissé aucune chance à ses adversaires lors de cette deuxième journée d'athlétisme au stade olympique à Saint-Paul. Médaillée de bronze en 2011, Jessica Rosson a décroché l'or cette fois, alors que Vanessa Collet remporte l'argent et Bernadette Perrine le bronze. En fin de carrière, le lanceur du marteau Nicolas Li Yunfeng a ajouté une nouvelle médaille d'or à son palmarès, ce grâce à un jet de 58,75 m. Au triple saut féminin, l'athlète d'origine rodriguez Karina Jolicoeur vient de démontrer que Maurice règne dans cette épreuve. Elle a réalisé un saut de 12,02 m. Un peu plus tôt, c'était Jean-François Sénèque qui était monté sur la plus haute marche du podium lors du lancer du poids chez les handisportifs. Et parmi les autres bonnes prestations mauriciennes, celle d'Antonio Vieyes qui prend la deuxième place au 110 mètres et de Mamad Doukon au 800 mètres ou encore de Priska Manikion au 5000 mètres marche.